Salut! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te passer un message qui va te servir en fait dans tous les domaines de ta vie. C'est le fait d'un moment donné d'arrêter de réfléchir et de commencer à agir. Et ce message, je le passe pour vous et je le passe aussi pour moi parce que c'était quelque chose dans lequel j'étais très 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 fort. C'est le fait de réfléchir et toujours reporter l'action. Et vous savez, ce que je trouve vraiment terrible quelque part, c'est que très souvent, on va passer un mois, deux mois, trois mois ou même plus à réfléchir et au final, au bout de ces un mois, deux mois, trois mois, on en sera exactement au même point. Alors que si on avait simplement commencé à se dire « Ok, je me donne ce mois ou ces deux mois ou ces trois mois et j'agis massivement et j'agis pendant ce temps-là », bah, tout simplement, on aurait soit réussi, soit échoué évidemment, mais on aurait avancé dans tous les cas parce qu'on aurait justement pu se dire « Ok, soit j'ai réussi et je continue, soit j'ai échoué et j'ai des informations sur cet échec. » Et ce qui est en fait presque le pire là-dedans, c'est de se dire que dans quasiment tous les cas, on ne risque rien. C'est ça en fait. C'est-à-dire que même si on échoue, même si on se dit « Ok, ce truc-là, je veux le faire et… » j'essaye et j'échoue, il ne se passe rien. En fait, il ne se passe strictement rien. Il y a juste qu'on gagne de l'expérience et juste qu'on a avancé. Et c'est tellement dommage, en fait, de se mettre dans cette situation où des fois, on attend, on reporte, alors que la réponse, elle est juste là, de se donner une date, de le faire pendant ce moment-là et ensuite, voilà, de se dire, ok, bah, j'ai réussi ou j'ai échoué. J'ai réussi, tant mieux, je continue. J'ai échoué, c'est pas grave. Je prends une autre stratégie où je vois qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et j'essaie d'améliorer les choses. Donc vraiment, c'est le message que je voudrais vous faire passer avant de continuer et vraiment valable pour tout le monde, pour tout ce que vous voulez, c'est de commencer à vous dire « Ok, qu'est-ce que je veux ? Je commence à agir. » Voilà, je commence à agir et c'est pas grave d'échouer, c'est pas grave de pas réussir. Tout ce que je risque, en fait, bah, c'est d'y arriver. Tout ce que je risque, c'est d'y arriver et parfois, en fait, c'est moi-même qui m'empêche de réussir parce que je ne passe pas à l'action. Alors, cette semaine, on a parlé de business en ligne et de business en ligne vraiment minimaliste, c'est-à-dire dans une optique de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, c'est de vous dire tout simplement « Ok, je vais prendre 30 jours et pendant ces 30 jours, je vais me faire un planning pour justement gagner mes premiers euros sur Internet et me prouver que c'est possible avec un business minimaliste. » Et vraiment, je vous encourage à faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui pensent à se lancer ou voilà, qui ont déjà essayé de se lancer, mais pas vraiment à fond. Et la première chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est déjà vraiment de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire d'arrêter de vous disperser en termes de business en ligne, d'arrêter de vous dire « Oui, ok, il faut que je devienne un professionnel de la publicité Facebook ou il faut que je devienne un professionnel de la persuasion, que je raconte des histoires comme personne ou que je sois capable, voilà, je sais pas, d'avoir plein de vues sur ma chaîne YouTube ou vraiment tout ce genre de choses parce que c'est de la dispersion et c'est pas l'essentiel. Et quand on veut avoir des résultats rapides, et encore une fois, c'est valable dans n'importe quelle catégorie, ce qui compte, c'est de se dire, ok, quel est vraiment l'essentiel? C'est quoi les actions essentielles? C'est quoi les choses qui vont concrètement vraiment m'apporter des résultats? Et donc, je vais vous les rappeler au niveau du business en ligne, et ça, c'est la base de la base, business en ligne de création de contenu, c'est la base de la base, c'est avoir un produit, ensuite avoir des inscrits à sa mailing list et avoir un système de vente pour proposer ce produit à ses inscrits. Voilà, ça s'arrête là. Ça se situe uniquement là. Tout le reste, c'est superflu. Tant que vous n'êtes pas à 2000, 3000 euros par mois, vous pouvez oublier le reste. C'est largement suffisant de faire ça pour réussir à générer vos premiers euros et même plus que vos premiers euros. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de vous faire un planning sur 30 jours ou sur 60 jours, comme vous préférez, et de vous faire un planning et de vous dire « Ok, je décide d'une thématique. Ensuite, je crée mon premier produit. » Ça ne sera pas parfait. Ça ne sera pas parfait. Vraiment, sortez-vous de la tête que ce sera parfait. Sortez-vous de la tête que vous allez créer votre produit, que vous allez vous dire c'est génial. On a toujours un doute. Je veux dire, on a toujours un doute. Même moi, aujourd'hui, très honnêtement, aujourd'hui, quand je crée mes produits, quand je fais mes vidéos, il y a toujours du doute. Donc ça, c'est constant. Je veux dire, ça ne s'arrête pas. Il n'y a jamais un moment où on est 100% satisfait, tout simplement parce que même en progressant, on perd en fait de vue qu'on progresse. On perd de vue qu'on progresse. C'est-à-dire que moi, très régulièrement, je fais des vidéos où je ne suis pas content de mes vidéos. Mais évidemment, si je regardais mes vidéos il y a 3 ou 4 ans en arrière, je me dirais, mais j'ai vraiment progressé. Mais on est toujours dans cette optique de progression. Donc forcément, il n'y a jamais un moment où on se dit « c'est génial ce que je fais ». Donc ce doute, il fait partie de la création de contenu, vous aurez forcément ce doute. Donc, je décide de ma thématique, je crée mon premier produit, voilà, je crée mon premier produit, je le fais rapidement. Et encore une fois, c'est toujours pareil, sortez-vous de la tête que parce que je prends 3 mois à créer un produit, c'est
mieux. Ça, c'est, voilà, c'est des choses qu'on dit, voilà, c'est comme les trucs du style, oui, c'est plus facile de vendre un produit à 1000 euros que de vendre plusieurs produits peu chers. C'est pas, ça fonctionne pas, ça, à moins que vous soyez vraiment dans la thématique du business en ligne, et uniquement dans la thématique du business en ligne, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, sortez-vous ces idées préconçues de la tête, ces choses qu'il y a beaucoup de gens qui répètent en boucle. Non, c'est pas parce qu'on prend 6 mois pour faire un produit qu'il est forcément meilleur. C'est pas parce que vous avez un produit qui est en 14 modules. Moi, je peux vous le dire, là, je me suis beaucoup formé pendant ces, enfin, depuis fin août, depuis début septembre. J'ai acheté beaucoup de produits qui étaient autour des 500 euros et je peux vous dire que c'est pas parce qu'ils coûtaient 500 euros, que c'est pas parce que ces produits étaient en 17 modules ou en 15 modules que c'était des produits qui étaient forcément plus pertinents. Donc c'est pas parce que c'est pas plus c'est gros et plus c'est pertinent en termes de produits. Ça n'a rien à voir, encore une fois, ça c'est une idée préconçue. Décidez de votre thématique, créez votre premier produit. Ensuite, commencez à avoir des inscrits sur votre mailing list. Commencez à avoir des inscrits sur votre mailing list. Moi, dans la formation Lancer son business minimaliste en 2021, je vous explique des techniques qui vont vous permettre d'avoir 20 à 30% de taux de conversion sur votre mailing list, sur votre contenu, et ça va vous permettre de remplir votre mailing list. Parce que c'est ça qui va faire la différence quand vous allez commencer. C'est pas les vues sur YouTube ou en général votre, les vues sur votre contenu qui vont faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est quand vous allez commencer à avoir 200, 300, 400, 500 inscrits sur votre mailing list, qualifiés évidemment, qui vont vous permettre de proposer vos offres. Et ensuite, voilà, une fois que vous avez ça, ben vous lancez votre premier produit. Et lancer son produit, ben c'est tout simplement faire une page de présentation du produit et ensuite envoyer plusieurs mails sur votre mailing list. Vous voyez, ce sont des étapes qui sont simples. Il faut simplement à un moment donné se dire, ok, je me donne une deadline, je vais mettre ces étapes-là en place, quand est-ce que je commence, quand est-ce que je termine, et je le fais. Et que je réussisse ou que je réussisse pas, ce qui compte, c'est que voilà, je le fasse, je me donne au maximum et après, dans tous les cas, j'ai avancé. Donc, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire aujourd'hui parce que je sais encore une fois, comme je vous l'ai dit, qu'il y a énormément de gens qui sont un petit peu dans cet entre-deux, entre je le fais pas, je sais pas. Voilà, à un moment donné, arrêtez de réfléchir, dites-vous, ok, maintenant je le fais et de toute façon, je serai gagnant ensuite, quoi qu'il arrive. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez, on peut le faire ensemble, tout ce processus avec ma formation Lancer son business ultra minimaliste en 2021. C'est une formation vraiment où je vous prends par la main, où je vous explique chacune des étapes. Je vous donne aussi une méthode d'organisation pour que ensuite vous puissiez continuer à le faire sur la durée. Et il y a aussi un défi, un challenge de 30 jours pour que vous puissiez dans les 30 premiers jours mettre en place toutes les étapes de la formation et commencer à gagner vos premiers euros. Dans tous les cas, à partir du moment où vous suivez ce challenge, vous êtes gagnant et vous aurez beaucoup appris et ça fera la différence entre vous qui allez faire ce challenge et qui allez pouvoir justement avoir des informations et les gens qui vont repousser encore, encore, encore et qui dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an et demi, en seront toujours au même point. Donc voilà, si ça vous intéresse qu'on fasse ce travail ensemble, c'est valable jusque ce soir à son prix de lancement, 120 euros de réduction, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dans la formation si vous investissez sur vous. À demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.